Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Je sais, vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous dites Tarkan a pété les plombs, il joue SRAM. Écoutez, moi on m'a toujours dit dans la vie, pour pouvoir battre vos adversaires, il faut savoir se mettre dans leur peau. Et comme ça au moins les gars, je pourrais anticiper mieux les SRAM en jouant SRAM. Je me ferais plus avoir au niveau des pièges et tout. Et même pour l'anticipation de l'invi et tout, je pourrais être meilleur sur mon Yop contre SRAM. Raison numéro 1, voilà de pourquoi je joue SRAM. Et raison numéro 2, c'est clairement un sub goal sur Twitch. Un sub goal, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas peut-être sur YouTube? C'est un objectif de sub, donc des gens s'abonnent à votre chaîne en échange d'euros, de dollars, etc. Et à tel objectif, vous faites le sub goal en question. Et pour 800 subs, je devais jouer SRAM, on a largement atteint les 800 subs. Du coup, voici les gars, l'aventure SRAM. Alors, je ne sais pas si je mettrai toutes les vidéos sur YouTube, ça dépendra clairement de vous. Si vous aimez bien l'aventure, je vous mettrai des vidéos, j'attends vraiment de voir vos commentaires. Et sinon, ce sera une aventure Twitch comme prévu. Mais je peux vous partager ça aussi sur YouTube si vous le souhaitez. Sachant que je n'ai jamais joué SRAM de ma vie. Je ne connais pas la classe. Ça va être une totale aventure 2-0. Donc peut-être pour ceux qui veulent apprendre SRAM avec moi, les vidéos YouTube vont être sympas. À vous de me dire. C'est vous qui me dites si vous voulez plus de vidéos SRAM ou pas. Et voilà, je ferai en fonction de vous. Je vous laisse du coup avec mes deux premières games. En tout cas de ma première session. Deux games, voilà, mes aventures, mes débuts en SRAM. Attention à vos yeux, ça pique, je vous laisse. Bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ciao, ciao les gars. Ok les gars, c'est parti. Première game contre un Yop. Ça va être assez rigolo. On va voir. Écoutez, j'affronte ma classe de cœur en première game. Je pense que c'est un signe. C'est parti. On est face à Sixing Long. Pas beaucoup de résistance. Écoutez, on va juste mettre des pièges, je pense, pour commencer. Ok, on va faire ça. On va avancer vers là-bas. On va mettre un petit répu ici. Un insidieux là. On va faire ça. On va reculer tranquillou. Un petit piège tactique là-bas, on aime bien. On aime bien les pièges tactiques. On aime bien les pièges tactiques. Prochain tour, on fera une invi et on verra. Ok. Bon les gars, je découvre la classe, hein. J'ai jamais joué la classe de ma vie. Ok, friction. On va invi pour commencer, tout simplement, je pense. On va faire un petit réseau ici. Ok, on va invi. On va faire un piège insidieux là. Il ira là. Un petit répu ici. Voilà, comme ça on a un petit réseau. Et on va lui mettre un petit poison. Petit arsenic. Et on va aller vers là-bas, les gars. Ok. 261 l'arsenic. Ça, c'est pas mon chat, c'est très drôle. Ok, donc il est là-bas. Est-ce qu'on n'invoquerait pas le comploteur? Est-ce qu'on n'invoquerait pas le comploteur? En vrai, on va aller vers là-bas. Mettre un petit piège répu ici. Hop. On va remettre petit arsenic. Aller vers là-bas. Ok. 511 quand même, hein, de poison. 511 de poison. Je rappelle que l'entrée, elle est là. Ouais, il a sauté pile poil là-bas. Waouh. Waouh. Ok. Est-ce qu'on ne mettrait pas le réseau pour voir? Mais je pense qu'on va l'éroder. J'aurais dû mettre le comploteur autour d'avant. Je pense qu'on va éroder un peu. Ok, on va faire ça. On va faire ça. Ça. Un petit répu ici. Ok. Il y a un peu d'érosion ou pas? On va éroder un petit peu quand même. Ok, on va aller dans le coin. Normalement, le réseau, il est pas trop mal. Ok, c'est pas mal du tout. Il a quoi? Il a fait quoi? Il est midlife, hein. Il est clairement midlife et on l'a bien érodé. C'est pas mal. Pour un premier réseau, en vrai, je suis assez content. Pour un premier réseau, je suis assez content. J'ai pas fosse commune. Attends, elle est où ma fosse commune? Où est ma fosse commune? J'ai pas pensé à fosse commune, j'avoue. Mais elle est où? Attendez. Oh, j'ai piège d'Imo, j'avais pas vu.
Ok, pour le prochain combat, les gars, j'ai oublié ça. Ok. Ok, il précise. J'ai piège d'Imo. Vertu. Ok. Et il ferveur, très bien. Je vais libé, je pense. On va faire ça. Injection. On va faire ça, on va le reculer, hein. Ok, bon, j'ai pas la fosse commune, donc c'est un peu dommage. On va juste faire ça. On va le tacler. Ok, je l'ai pas reculé, j'étais un peu bête. Bon, il perd sa vita. Puissance, ok. Bon, les gars, c'est ma toute première game en SRAM. Il y a quelques erreurs qui sont faites, c'est normal. C'est vrai que je peux poisse et tout en vrai de vrai. Ok. Après, là, on peut juste le méprise. Hein. Ou alors, on va juste faire un délire comme ça. Tac. Tac. Il va se faire attirer là. Mettre un répu là-bas. On va faire ça. On va aller rôder un peu et on recule. Ok. On recule tranquillou. Ok, on nickel. On le recule à fond. On fait péter. Waouh. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et là, il est mort next dans tous les cas. Comment il tient? Ah, il va duel peut-être? Bon, je vais taper au cac, hein, s'il duel, hein. Bon, il vita. Bon, réseau un tour, hein, les gars, hein, je pense. Hein. Petit réseau un tour. Hein. Ok. Bon, petit réseau un tour, hein, on va faire ça. Je vais mettre là-bas. Je vais mettre un scélérat ici. Petit fond jeu ici. Hop. Et ça, hein. Je pense que c'est good, hein. Ouais, nice, ok. Ok. Ouais, les gars, pour une première game, j'ai un peu bégayé, j'ai fait quelques petits trucs, mais il y a eu des petits réseaux, je suis content. On se retrouve pour une deuxième game, à de suite. Et je vais mettre la fosse commune ainsi que le piège immo dans mes spells parce que c'est un peu craignos. Merci. Et là, il faut un vie direct, on n'a pas trop le choix. Et écoutez, on le fait où? On le fait là? Allez, on le fait là. Tac, tac. On va pousser ici. Hop. J'ai deux qui traînent. On va mettre un petit scélérat ici. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, il a 39-36 de raise et il joue haut. J'ai 34%. Oula, oula, oula. Ok. Ouais, il est pas loin. Il est pas loin. Ouais, il m'a trouvé. Ouah, c'est pas de chance. C'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance pour le coup. Bon, je vais comploteur. On va mettre. Ok. On va mettre le comploteur. Je vais quand même fausse commune. Il faut que. Bon, je vais le scélérat ici. Pas fausse commune. Tac, ça va l'attirer là. Et après, au pire, on fait juste ça. Hein. On va faire ça. Faut que je me barre, les gars, vers là-bas. Ok. En fait, j'ai fait ça pour pouvoir tranquillement ne plus avoir d'état sur moi, pas qu'il puisse empreinte. Bon, là, on a un début de réseau, mais il est pas folichon pour l'instant. On a un début de réseau et il est pas foufou, quoi. Ok, là, il est full tackled. Ok, qu'est-ce qu'il fait? On va continuer à faire le réseau, je pense. Est-ce que je peux le pousser? Oh, on va continuer à faire le réseau tranquille, hein, je pense. Hein. Et on va reculer. Ok, donc moi je suis là. Ok. Oh, on va continuer le réseau. Hein. Il se fait attirer là.
à mettre un insidieux là. Tirer puis ici. Hop. On va faire ça. Ok. Mettre des petits pièges par-ci par-là. Hein. Ouais, là-bas. On recule à max. On va rester alt à clé, hein. Je pense que c'est un bon call, hein. Ok. Bon, on s'entraîne un petit peu. L'entrée, elle est là. Je suis pas très bien placé pour le mettre. Hein. Ok. Après, je peux le méprise. Hein. T'as en vrai? Attendez. En soi, dans tous les cas, on va le méprise. On va le mépriser. Je me méprise moi en vrai. Hein. Ouais, je me méprise moi. Hein. Je vais faire un réseau un tour, mais me méprise moi au pire. Ok, il me rapproche. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais, je me méprise moi. Un petit réseau un tour, je me barre, c'est pas mal, je pense. On va faire ça. Donc j'ai 7 de dispo. On aura un scélérat là. Ça va attirer ici. Méprise. On va se barrer. Petit réseau un tour, les gars, on va pas dire non, hein. Il a 4700. Ouais, c'est un petit réseau un tour, quoi. C'est ok. Et on aura, du coup, ça va le forcer à revenir vers là-bas. Et on aura le retour de l'invis soon. C'est pas trop trop mal. Peut-être que je les rod. Ouais, tu vois, il prend un piège. C'est gratuit, ça, pour le coup. Ok, il m'attire. Et il boubou LM. Très bien. Très très bien. On va l'injection. Je peux le libé, hein. Ah, oh, j'ai pas la libé encore. Le libé avec un insidieux ici. Ça. Et on le recule. Et on va là-bas. Ok, il prend des poisons. Et on aura l'invi prochain tour. Entrée du réseau qui est ici. On va laisser le garder vers là-bas. Si j'arrive à l'amener vers là-bas, c'est parfait, mais bon, ça va être dur. Ouh là 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 là. Oh là là, le pauvre. En vrai, je les mets juste dans les. Je pense qu'on va juste faire ça, les gars. Il n'y a même pas besoin de réseau. Au pire, on fera un réseau un tour après. On va le mettre dedans. On va juste faire ça. On va faire petit répu ici. Je vais l'inject. On va faire ça. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. Et on va reculer vers là-bas. Prends full poison. Aïe aïe aïe. C'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour Écloreux. Ah, il y a l'empreinte, merde. Bah après, c'est pas grave. On a le réseau un tour. Prochain tour, si on le souhaite. Ok, il me débuff. Quoi, Perky c'est 3 et Sournoiserie c'est 3. Ils ont un tour, ça tue, non? En vrai de vrai. Je fais ça. Je le pousse de 3. On va juste faire ça. Ça va le pousser là-bas. On fait ça. On a un insidieux. C'est bon normalement, non? Ah, c'est fort, hein. Même le réseau, il est débilos. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que cette première vidéo sur le SRAM vous a plu. C'est un petit test, hein, les gars. Sachez, je rappelle quand même que j'ai été payé pour jouer SRAM une grosse somme d'argent. Donc voilà. Si ça plaît à ma commu sur YouTube, je ferai d'autres vidéos. Si ça vous plaît pas, j'arrêterai. Il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, je jouerai le SRAM sur Twitch une heure par-ci, par-là. C'était un sub goal, je le rappelle, et j'ai été payé pour ça. Donc écoutez, voilà. On va découvrir le SRAM et ça me permettra également de mieux contrer le SRAM quand je jouerai Yop. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi les commentaires, je suis très curieux de voir si ce contenu vous plaît. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était mes premiers pas sur le SRAM. Ciao, ciao les gars.
Welcome to the party. Sexy. I got the X, the shrooms, the acid. Just so you can see I'm a savage. Don't try this at home, I'm a savage. Baby, welcome to the party. She pulled up in the Benz, she came with a friend. I told her, meet my nigga Bari. Gang. I'm a villain, I'm feeling like Carti.